Avant même de pouvoir te prendre dans mes bras, j'ai failli te perdre, Lara. Mais tu t'es battu, bien décidé à vivre. Tu as respiré, agité tes minuscules poings, et tes hurlements ont retenti dans tout l'hôpital. Je n'avais jamais entendu de son aussi beau. En rentrant à la maison sous la neige cette nuit-là, je me suis fait cuire un steak, après quoi j'ai bu la moitié d'une bouteille de whisky. J'ai essayé de marcher dans la neige avec des raquettes de tennis, et je me suis endormi avec le chat. J'étais tellement heureux. J'ai bien dû entendre cette histoire une dizaine de fois. Mais je ne m'en lasse toujours pas. J'aurais aimé que ça dure. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Les structures ont été abîmées. La bataille a causé beaucoup de dégâts. Mais la cité tient encore debout. Cette fresque rend hommage aux combattants morts et aux victimes de la maladie et de la faim.
J'y suis presque. La chambre des âmes est derrière cette porte. Je dois juste trouver un autre trébuchet. Devant toi, Lara. Tu dois atteindre la source avant eux. Tu ne peux rien faire de plus pour m'aider. Va te mettre en lieu sûr. Pas question. Tu as besoin de nous autant qu'on a besoin de toi. On survit ensemble ou on meurt seul. Allez, vas-y.